Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on vient d'arriver à la maison et comme prévu, on va essayer d'enlever tout le sable. Là, j'ai mon tonton qui finit de nettoyer le salon à côté, vous savez, tout ce qu'il y avait entre les poutres. Et puis, bah, moi, je vais m'occuper du sable et puis après, on verra ce qu'on fait. Bon, bah voilà, il va falloir attaquer. Bon, et bah, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça fait déjà une heure que je suis en train de m'occuper du sable. J'ai pas fini, j'ai mis tous les sacs là sur le côté. Maintenant, enfin, là, il y a une accalmie parce que depuis ce matin, ça arrête pas de pleuvoir. Je pense que je vais les emmener. Parce que bon, vous savez, on les met au fond du jardin, on en aura besoin plus tard des sacs. Donc pour l'instant, on les met là-bas. Mais franchement, je préférais patauger dans le sable et faire mes petits châteaux quand j'étais petite. Hein. Vous savez, sur la plage, avec le soleil, la mer et tout. C'était beaucoup plus sympa. Bon, et bien voilà, les sacs sont vidés, il n'y a plus qu'à y retourner. Et là, j'allais tomber. Bon, et bien écoutez, j'ai presque fini. Je me suis arrêtée parce que j'ai entendu toquer et d'un coup j'ai entendu quelqu'un essayer de rentrer. Je me suis dit, oh, c'est qui ça? J'ai cru que c'était les anciens portugais ou j'en sais rien, quelqu'un qui essayait de rentrer. Donc ouais, ça m'a un peu inquiétée et en fait non, c'était ma tante, donc rien de grave. Elle est venue voir l'étendue des travaux parce qu'en fait elle regarde pas du tout les vidéos. Et je pense qu'elle a eu un peu peur quand même. Quand elle a vu le sol du salon et de la salle à manger, je pense qu'elle a eu un peu peur. Mais bon, au final, ça a quand même bien avancé. Là, le salon est terminé. Enfin, presque. La salle à manger, pardon. Et il restera juste là, sous le radiateur. Donc ça, je vais le faire juste après. Et donc ça, c'est le salon. Et au final, bah, il a tout retiré parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Dès qu'on touche quelque chose, ça se bat. Donc bah, c'est plutôt propre comme ça, mine de rien. Donc après, bah, on va remettre... des morceaux de bois pour pouvoir faire le plancher en bois comme je vous disais hier. Et bah là c'est tous les gravats. Alors là par contre on ne circule plus. À chaque fois, voilà, il y a un petit passage, il y a les planches de bois d'hier, là il y a des sacs qui se sont rajoutés, là bah faut escalader, et ça c'est les sacs de sable donc pour emmener au fond du jardin. Mais là il pleut donc je vais pas y aller tout de suite et puis je vais finir mon sac. Enlever le sable qui reste à enlever. Je vais remettre ma veste parce que du coup, avoir papoté, bah, j'ai froid. Tadam ! Et voilà, c'est fini. En vrai, c'était pas compliqué, le petit morceau qui restait là, ça avait déjà été remué, donc il n'y avait plus qu'à le mettre dans le sac. Donc voilà, après il restera ce qu'il y a vraiment sous le radiateur. Mais ça, bah, je le laisserai à David. Voilà, donc si tu vois ce vlog, ça c'est pour toi. Parce que la dernière fois, bah, c'est là que j'avais vu plusieurs araignées, donc ça, j'ai pas envie d'y toucher.